bonjour. Alors aujourd'hui super soleil parce que ben, le temps il permet, hein, il est rare d'avoir du soleil comme ça, c'est des temps dans l'Est, hein, enfin plutôt un petit peu, mais pas beaucoup, énormément, hein, pas vraiment la saison, mauvais temps, mais quand même beaucoup de pluie ces derniers temps, là un petit peu de soleil, il fait du bien, et d'ailleurs mais elle est en sueur parce que nous vient de rentrer dans la voiture, heureusement mon loto, bon elle est un petit peu plus frais, et ben, il y a un petit problème de clim aussi, marrant, la semaine prochaine. Bref, nous pas là pour parler de clim, nous est là pour parler de la cuisine, nous est là pour parler de l'émission Parole d'artiste, parce que nous on a des invités en Parole d'artiste ce soir et qui vont aussi rester avec nous pour la cuisine. Et pour la cuisine, donc il y a Toto, il y a Malo qui est là, il y a Krishna qui est là, comme d'habitude, Béla aussi là dans un instant qui arrive, petit truc très simple, un rôti de porc ce soir, hein, rôti de porc à l'ancienne, et puis après on a un petit peu poisson rouge, donc un petit carré poisson rouge comme ça, donc comme on aura beaucoup d'artistes ce soir, groupe de reggae aussi qui sera là, et puis après un intervenant qui va venir pour faire une émission zigzag pour parler un petit peu de l'autonomie réunionnaise, voilà, donc qui sera là aussi, donc pour que tout le monde puisse manger, nous avons décidé de faire un repas pas très compliqué, alors que ces derniers temps, on a eu beaucoup de grandes émissions de cuisine, hein. Petite émission de cuisine, et puis après nous retrouvons dans un instant. Dès qu'il arrive, commence tout de suite ou alors, hein? Assaisonne le porc. C'est rare aujourd'hui, hein? Hein? Il gagne la couleur. Hein? Malo à côté. Malo, quand on fait? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Moi, quand il y a plus de poisson. Quand tu la pêche poisson? C'est quatre poissons que moi j'ai mis. Poisson rouge. Ah, non, quoi, non, quoi, non, quoi, non, quoi, le sait avec, ça me saute. C'est bon, bilan ça. Dis-là aussi, bonheur, ça, on dit comme ça, donc. Ben, c'est mon retard. C'est mon retard. Oui, c'est mon retard. Pas grave. Aujourd'hui, on prépare toutes les épices, tout ça. On prépare tout à l'heure, les tomates. Donc aujourd'hui, c'est du porc et poisson rouge. Poisson rouge, j'aime ça, ouais, pour que ça, voilà. Ça va encore, bonjour. Ça va? Ça va? Bonjour, tout le monde. Bonjour, hein? C'est un reste de piment, hein? Ben, reste de piment. Un reste de piment de dimanche, ça. Ben, dimanche, ben. Il y a toutes les autres. Peut-être parisien. Peut-être parisien, ben. Peut-être parisien. Comment il dit ça? Recyclage. Recyclage, ouais. Voilà, recyclage. Ben, bon, alors. Toutes les épices, c'est pareil, hein? Ok. Tout de suite, dans de l'huile, Toto. Au moins, comme ça, il prend la couleur. Ça va, il y a l'ancien. Ouais. Hein, le sial, c'est juste derrière la couleur, ça. Ouais. Hein, et là, après, ça va toutes les épices. Et il y a fini de faire les épices. Pour mettre dedans, vous l'avez vu, son bouillon. Son bouillon, hein, comme d'habitude, tout. Mais là, si il fait une émission sur un rôti, et puis après, le rôti, il consiste à mettre un petit peu dans l'huile, fait revenir, et faire un bouillon là-dedans. Alors, là-dedans. Ça veut dire que tout le monde y est fait. Mais bien, c'est tout le monde. Ça, c'est une affaire. Depuis longtemps, il existe ça. Quand j'ai dit que c'est à prendre quoi que ce soit, faire un rôti porc. Ah bon? Le monde en Allemagne, des fois, il assaisonne. Il met des épices avant, après, il met des marmites. Ben, alors, ma première habitude, c'est comme ça. Ah, on a habitué, c'est comme ça. Et donc, déjà, nous, on a bien qu'on soit dedans. Mais on a toujours le même épice que d'habitude, la girofle, un peu de sel, l'ail, et poivre. Et poivre. Le thym. Et après, le thym. Et là, c'est d'ailleurs ce petit couleur un peu là. Ah, ben, c'est petit couleur à poivre. Poivre, alors. D'accord, alors, c'est bon. La vie, après, c'est pas compliqué quand elle finit là. C'est pas compliqué. On va mettre ma marmite quand tu le fais rougir. Tu l'as tout dedans. Il faut savoir faire, voilà. À moi, je ne voudrais pas faire. Mais si, je n'ai pas bien à faire pour ça. Un jour, même mes enfants, 3 ans, ils font ça. Il faut aimer. Il faut aimer. Ben oui, il faut aimer. Mais bon, ça, c'est comme les pailles poisson, ça, il faut aimer. Voilà. Mais c'est le pro, il est ici, là. Ici, il m'a mettre la tête. Il va mettre la tête. Il y a bon, ça a presque fini là, le poisson. Hein? Presque fini. Après, faut dévider. Fais quelques carrés poisson rouge ici. Hein? Après, il faut dévider. Ouais, ben nous, on est à court de nouveaux plats. Voilà. Donc, du coup, et puis, comme il y a beaucoup de monde, et donc, il faut donner à manger tout le monde quand il vient ici. Parce que quand les gens viennent ici pour faire la musique, hein, pour faire les émissions, mais il faut quand même tu manges. Hein? Et s'il nous fait un plat un peu insolite, donc ça, il ne fait pas grande quantité. Mais donc, après, nous, on lui est tout le temps. Nous, on est beau, c'est ça, non? 20 personnes. 20, d'accord. Ouais, au total. Raisonnable. Ouais. Hein? C'est une moyenne. Nous, t'équipes avec les équipes, les autres équipes. Et là, il faut dire à tout le monde quand il vient, même pas beaucoup de monde. Il y a deux. Il y a trois grands maximum, si encore dans le groupe, plein de musiciens. Parce que sinon, ça.
Oh là. Mais à mettre mon blé de sorte de guitare. C'est bon. Ok, Bobby, là, ça ouvre les pains de poisson, moi. C'est bon. Je vais dedans, Toto. Là, remettre. Mais marmite n'est pas un peu trop petit, non? Ah non, oui, un petit marmite. Hein? Parce que dans un petit marmite, tout à haut, comme ça, il n'a plus sa chaleur. Ouais. Et là, on baisse le feu. Et après, là, ça y est, là. Et tout ça, les petits. Et le rôti, là, fini. Voilà. Voilà, il finit le poisson. Hein? Ah non. Voilà, alors. Il est bien propre, hein? Toto, tu coupes ma aussi? De toute façon, si on l'a remarqué dans les cailles de chez affaires, ben là, on s'en va avec les parents de la fille. Avec les parents de la fille? Toto, là, tu m'as dit ça. Toto, attention, coupe de main, là. Bon, Toto, coupe pas un petit morceau comme ça, hein? On va comme ça, tout le monde a un morceau. Ouais. Hein? Ah, a dit plus beau l'arrivée. Hein? Il faut pas là où là, tu vois, il faut pas là au plus beau. Et il avait un rôti porc pour faire aujourd'hui, ben là, tu vois, comme ça, c'est sa spécialité, ça. Bon, comme un petit peu en retard, donc la fin commence fait. Mais il est pas grave, on va finir. De rapide. Hein? Toto, il est rapide. Toto, trop rapide. Ouais. Même moi, je n'ai pas gagné le temps, film Mali pour mettre dans la télé, il finit commencer. Hein? Bon, ben là, il y a beaucoup de poisson rouge là, là. Hein? Mais bon. Si je casse mon bio, je comprends, moi. Ah, on repasse Biou aussi, nettoie Biou. On passe aussi raboteuse. Ouais. Ponceuse. Ponceuse. Toto, on connaît les trois cuisiniers, et puis le doigt. Non, menuisier. Menuisier, mais cuisinier, ben là, avec couperet là, là. Hein? Bon. Bon, mais là, ça va finir. Couper là, le monde arrive. Alors, Toto, on se fait le poisson tout de suite alors. Maintenant, je fais une coupe de poisson. Okay, tout ça, piment là. Mmh. C'est un poisson au piment, ça, ou bien un piment poisson? Poisson piment. Ouais. Alors, dans de l'huile. Donc, le secret, c'est de bien mettre de l'huile. Hein. Parce que si on a pas de carré poisson, les pas bon, les bottes. Hein. Des oignons, l'ail, gingembre, tout de suite. Un petit peu de thym, que ça, j'aime bien à côté là-bas. Hein? Ben, attends, on prépare des trucs encore là. Qu'est-ce que tu attends de préparer? Mange. Hein, t'as fait au gars, il mange? Hein, Patrick? Ça mange ma michalette, ça va. Michalette, t'as même un peu, mangue déjà battu au moins. Yes. Mais là, tu manges un nat de sel et l'autre un point de sel. Parce qu'il y avait deux sachets, Malo, qu'on va trouver dans le frigidaire. Deux sachets. D'accord. Avec un nat de sel. Donc, tu vas peut-être goûter avant. Hein? Ah, vous faites? Tout fait. Ben, à voir. Bon, allez, on continue ici avec. Le carré poisson, donc les oignons, l'ail, gingembre. De ça, on va mettre un peu dedans aussi. Hein? Le thym, safran. Voilà, et le poisson, lui, est là. Il attend son tour, comme tout le monde. Voilà. Tomate aussi, hein? Tu le prépares toutes les tomates. Hein? On dit la débile pour préparer la tomate. Hein? On prend un peu d'épices. On prend un peu d'épices. Et la tomate tout de suite dedans. Elle y est bien jaune. C'est un sauce créole normal, ça. Plus simple que ça, la fois. Hein? Je ne veux pas rajouter rien, d'autre chose dedans. C'est vrai. Après, prenez, l'allemand, il fait comme tu veux. Hein? Ouais. Après, chacun son manière. Chacun, il fait comme il veut. Hein? Ouais. C'est bon. Et de ça, on le met avant, hein? Ouais. Dans l'huile. Hein? Ouais. Voilà. Mais il est bon. Là, alors, on va prendre le tomate cuit un petit peu, là, d'autres fois, la couverture. Et après, on attaque tout de suite. Avec le poisson à couvrir, hein, ou la tomate cuite là. Oui, oui, c'est bon. Un 38. Ah ben oui, tu m'as gardé un coup là. Oui, c'est bien 38. Ouais, ouais. Parce qu'ici, on a les 38, les 48, les 52. Ah, déjà, je vais kin. Tu as une pièce à dire. Alors, on prend un mouchoir à carreaux. Un torchon à carreaux. C'est comme les bouchons de Lyon, ça. Hein? Vous ne connaissez pas les bouchons de Lyon? Non. Les bouchons de Lyon, c'est des restaurants dans lesquels on s'est mangé. Et toutes les nappes à carreaux rouges et blancs. Ah bon? Oui, on appelle ça les bouchons de Lyon. Ouais, une fois qu'on arrive à Lyon, la pluie tombe. Hein, et on voit soit que là-bas, ça me tient retrouver un place dans un bouchon de Lyon là. Ah, soit pas réservé, il faut tuer. D'accord. Heureusement, il n'est pas noir et blanc. Non. Ah oui, pas noir et blanc. Ah oui, pas noir et blanc. Non, en fait, à cause les homosexuels, ouais. Ils aiment porter des chemises à carreaux noir et blanc. Je sais pas. Parce qu'ils aiment jouer aux dames. Je quoi? Aux dames. Vous n'avez pas d'âme avec. Ah. Bon, faut rendre les pions, frère. Faut compris, non? Faut chercher les pions. Bon, là, faut payer ça, il va. Là, vous êtes dans le chaud, le gars, il manque déjà battu. Et là, au PSI. Ah,
là il faut la fausse de la main, la Patrick. Ah, quatre oui. Ça. Quatre ça, quatre ça. Biwa. Malo, biwa. Il faut pile de l'eau dedans. Hein. Le secret, c'est qu'elle a pile de l'eau. Hein. Et bon, là, ça va Toto parce que Toto va mettre le poisson dedans. Hein. Donc Toto, là le tomate fait une cuillère, là, le poisson dedans. Hein. Et là, où carré poisson, le dis-moi, comme ça, on couvre jamais. Hein. Mais pas couvert, tu sais, carré poisson. Hein. Non, moi. Hein. Moi, ils ne mettent pas, mais après, ils vont y mettre. Hein. Parce qu'il ne faut pas y faire de l'eau. Hein. Moi, je ne rajoute pas. On ne rajoute pas de l'eau. Hein. Mais jamais. Après, comme il dit, manger, tout le monde fait cuire d'autre manière. Hein. Ben, oui. Après, la population est meilleure qu'un autre. Hein. Ben oui, mais bien sûr, bien sûr. Hein. Bonjour, vous allez faire la cuisine? Non, je ne fais pas trop la cuisine, mais ce moment là grandi dans Maloya. Du coup, on regarde, il mange un carré, parce que ça nous connaît. Ça nous fait, hein? Ah, aussi, vous connaissez? Ah, mani regarder, mani goûter. T'as dû goûter? Et faire quelques images? Et parce aussi. Que vous parlez de la vidéo. Ah, mais bien pas. Ah, vous savez comment? À moi de la vidéo? JITVB.prod. Jusqu'ici, tout va bien. Yes. Mais bon, regardez un petit coucou, c'est là le mamite. Ah, faut garder. Il y a un canard rôti porc. Là, en cuisson, il y a le rôti porc. Hein. Là, ça y est, il est bon. Hein. Que ça, on fait un petit coup pour nous. Hein. Que ça arrache le veilleur. Ah, c'est le veilleur. Ali Vaï. Hein. Là, il met toute son affaire dedans. Hein. Et là, il attend Ali. Il y a tant de cuits. Nous, on a le temps. Hein. Ah, non. Nous, on a le temps. Hein. Nous, pas pressés. Nous, on a une émission à faire un instant. Oui. Hein. Oui. Nous, on a des affaires pour causer un instant. Ah, hein. Ben, nous, allons causer. Hein. Voilà, dis-moi un petit coup, en gros, que ça nous a causé. Nous s'accordons sur la mauvaise influence des drogues dures que nous avons à La Réunion. Oui. Et en même temps, nous s'accordons sur le projet de l'association CREPAP, l'association que nous avons créée pour recréer le lien intergénérationnel et interculturel pour un mieux vivre ensemble. D'accord, alors, ok. Bon, on parle un peu d'autonomie et tout ça. Comment? Autonomie. Autonomie comment? Alimentaire. Ouais, oui, nous pouvons avoir un peu de la vie chère que nous avons à La Réunion. Ben, on a beaucoup de trucs qui se passent en ce moment et ouais. Que la société est difficile pour nous. On sorte à nous bien. Les bons alors. Elle est comme ça même. D'accord. Hein. Autonomie financière aussi peut-être, non? Parce que actuellement on a vu que l'INSEE a publié quelque chose là en disant que à La Réunion, ben, nous fait partie des départements où on a le plus de pauvreté quand même. Hein. Ben oui. Mais déjà, oui, pour dire moi ça, dans mon quartier, nous l'avons plus de 60 et quelques pourcents de personnes qui ne travaillent pas. Dans le quartier de Basse-Terre. Ah ouais, 60%. 60%. Ouais. Donc Basse-Terre, c'est un quartier prioritaire. Hein, parce que ben, dans la misère, dans la... Toute délinquance est assez élevée. Ouais. Voilà. Et justement, l'association CREPAP qui est là, déjà avant tout pour relancer un message de prévention, préventive. Ouais. Et aussi ben, pour diminuer l'errance. Hein. Et ça que je trouve le bien avec l'association CREPAP, c'est que ne savent pas directement vers les personnes qui sont dedans. Mais il attaque directement à la racine. Ah. Quand on a une fuite de l'eau. Ça, la source. Voilà, on ferme le robinet, après on essuie. Ah. Et bien, lui, déjà, il occupe déjà le bon chimama, il donne des activités. Le but, c'est vraiment diminuer les rangs dans les quartiers. Et plus tard, nous allons voir que le taux de délinquance va suivre. D'accord. Alors. Et surtout, c'est de donner l'exemple à la prochaine génération et à l'actuelle génération. Parce qu'on a un tas de mauvaises influences et nous ne voulons pas que Malaï tombe là-dedans. D'accord. Alors, les bons, nous, on va parler dans un instant. D'instant. Hein? Mais bon, alors, ok. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec quand on met un petit carré poisson, tiens bas. Ah, on va peut-être mettre un carré poisson là. Ben. Hein, et Bichic, c'est un poisson ça? Bichic, c'est un petit poisson, mais ça va aller, ils ne mettent pas qu'au tomilite dedans. On ne met pas où? Non. Ah bon? Hein? Mais alors, donc, pourquoi on met un poisson là? Parce qu'il n'est pas pareil. Elle n'est pas pareille? Eh ben, ils ne mettent pas qu'au tomilite. Là-bas, c'est Bichic, c'est un aleuve. Ah, c'est un aleuve. Ah oui, donc, si on avait des petits poissons rouges, des bébés poissons rouges, comme l'agneau, ouais. Comme un veau. Hein? Vous comprenez? Donc, ils ne mettent pas qu'au tomilite dedans. Ils ne mettent pas. Les bons à savoir. Vous mettez le thym, ouais. Hein? Ah, mettre le thym alors. Ben. D'accord. Un petit carré poisson, comme ça, les frais là. Hein? Là, on met le cotomidi, ouais. Les bons alors. Et là, on met le cotomidi entier ou bien yash? Ah, bien, c'est un petit peu. Encore pire, si ça se met entier, puis cotomidi yash. Et ça, le bon gars planté. Mais mettre entier pour enlever après. Pour enlever après. Mais vous croyez qu'on met entier, alors l'audio reste ça. Il doit. Ah bon. Chacun fait différemment. Voilà. Tout autant de pique son. Toto la monte à où? Bah dis tout ce que tu connais, c'est Toto la monte à lien. Ah, Malo dit ça. Hein. Ouais. Manque pas un peu de l'eau là, hein, bon. Non, le bon là. Rôti porc qui couvre. Et carré poisson rouge, il couvre pas. Carré poisson rouge, hein. Moi, on ne couvre pas. Hein? Ah, on couvre pas, hein. Et où là, c'est dit comme ça?
Et au secours, il y a un petit peu, moi comme ça, il colle pas au fond. Hein, c'est pour ça qu'on a deux torchons. Et là, ça joue un peu Kayom, avec lui. Et voilà, on décolle à lui. Vous l'avez vu ça, c'est là? Oui, bah, vous avez vu comment il décolle le poisson rouge sur le fond, là, hein? Hein? Son poisson rouge seulement, là. Mais tu ne voulais pas très rouge, là, aujourd'hui. Hein? Il est plus jaune que rouge. Mais c'est ça. La peinture est sortie. La peinture est sortie. Hein, Malo, elle dit qu'on le nettoie avec le poisson. Alors, la peinture rouge est sortie. C'est le poisson. C'est légèrement coloré. C'est légèrement coloré. Vois ça, légèrement. Mais joli. C'est toujours un plaisir de regarder son carré poisson rouge. Et le goût, monsieur, est bon. Excellent. Ma papa vit quand même piment dedans parce qu'elle m'a tiré de côté. Mais suppose qu'on la mette piment dedans. Arrête, arrête. Hein, elle n'a pas mettre piment dedans. Un petit grain. Un bon petit grain. Un petit guingin. Voilà, non, mais bien. Ah oui, il sent les bien. C'est pas Toto s'il n'y avait pas piment dedans. Ben voilà, sinon, c'est pas un carré. Ça, c'est comme le rougail de la cantine de la dernière fois. Là, Joël Lamose, qu'elle a mangé. Elle a dit comme ça, il peut piment ça. Parce que. Non, le défaut, la Elle dit défaut, la précarité. L'émission est tournée bientôt là. On a piment dedans? Non, mais c'est pas de la poêle pour piment, on a deux petits grains. Hein? C'est pas la bosse dans l'embout. On ne connaît pas comment dérive avec la paparelle. Oui, après... Il y a un argument tout de suite. Bon, Charline a dit comme ça qu'ici, il jouait pas mal de cases. Hein? Olivier, puis fait piment. Ben oui, mais Olivier, une fois, quand il est 30 ans, il vient. Il vient à soir, il ne connaît pas. On demande Patrick. Hein? Bon, ben les bons, ben nous, ça va nous attendre un petit peu le poisson. On va faire une bonne là. Regarde la table, comment on fait propre là. Ah oui. On attend que tout est cuit. Après, les bons, hein. Demain, je vais un peu maloya. Bon, mais je joue le maloya alors. Écoute ça, c'est important. Il faut, à un moment donné, il faut enlever Ali et découper Ali. Ah, le rôti là, hein. Ça, c'est un manger de cochon. C'est un manger de cochon. Comment ça? Ben, un manger de cochon. Ali est dur encore là. Hein, mais où ça a fini la cuisson après, hein? Ouais. C'est bon. Là, on coupe comme on coupe un gâteau, là. Dis là, regarde, ça, elle coupe ça comme on coupe le gâteau, là, regarde. Non, mais hein? Au moins, il fait des jolies tranches. Ouais, ouais. Dis, mettre un petit bougie dessus, vas-y, j'en ai bien. Au milieu. Hein, petit bougie dessus, au milieu. Là, c'est du milieu. Ah, on parle plus de l'os ou de zo, hein. Dis bien, mais c'est quoi ce de pas le zo, on dirait l'os. L'os, on dit l'os. Il est bien sec. Il est bien sec. Là, il faut remettre dans le jus après, hein, parce que son jus il continue à être en ébullition aussi. Là, je me découpe, on va remettre dedans. Les filières qui sont là. On va jouer plus épices ou là? Non. Patrick, c'est bon? C'est bon. Hein? Ça, c'est une affaire où gars il fait. Ah, on a des affaires où gars bien fait, mes collègues ici. Tout le monde dit ça. Sauter. Hein? Sauter légumes. Et après, rôti. Hein? Après, faire frites, toutes affaires. Elle est bonne. Alors, quand elle n'a pas coupé, elle est bonne. Les gars, quand on coupe, ils coupent bien. Parce que vous avez acheté à Madagascar quand dernièrement on était à Madagascar ensemble. Là, vous connaissez cuit. Là, il est cuit. Parce que c'est pas une grosse rôti, une grosse. Ah, ouais, c'est pas les grands dalles. On nous fait un petit coucou à charcuterie à la gamme, alors. Hein? Toujours. C'est bon. La couleur tout est jolie, hein? Donc les bons, les finis, on finit rajoute tout dedans alors. De sel, piment, oignons et un petit peu vinaigre. De l'huile. Ah, il met pas vinaigre de là. Non, il met pas vinaigre de là. Le mangue et l'aigle. Il est sucre déjà. Voilà, pas besoin. Donc et le truc, il faut qu'il y ait l'eau dedans. C'est bien, pour ça que la pièce. Patrick, comment la pièce? Comment Patrick la pièce là? Donc, parce que quand on a l'eau d'un, il manque pas bon. Hein. Et la pour le jus, ben. Ouais, ok, Koucha, mais ça va, moi? Ah, ben non, ouais. Pas même rien. Ouais. Non, mais ça va. Mais ça va. Ah, ou ça garde le poisson là? Non, mais ça fait une émission où ça parle de quelque chose de très important, des drogues. Des drogues. Hein? On le finit aussi, le poisson a fini? Ah bon? Il est cuit? Hein? Il est cuit, mais maintenant vous le laissez réduire un petit peu, mais après il se capte trop cuit. Ah, ben bah, mettre après, peut-être tout à l'heure, si on mange un petit peu plus tard, on va remettre un petit peu de sur le feu après tout à l'heure pour réchauffer un petit peu éventuellement, parce que nous avons encore des groupes de musique qui viennent là, tout à l'heure. Il chauffe pas, poisson? Ah, dit poisson, il chauffe pas. Après, Toto, comment il est? Comment on va quand même? Bah oui. Hein? Quand on a dit qu'on filme les affaires, il y a dessus, il sort plus. Ah, d'accord. Si on peut qu'on mette, il capte chauffer encore un peu, mais dès qu'on filme les cotomili dessus, par exemple, comme ça, là, il sort plus. Il y a peut-être une raison, hein. De toute façon, allez, apprends la nuit, sinon. Conseil des sages. Exactement. Bon, allez, bon. Ok, tout à l'heure, alors. Ok.
Aujourd'hui, là. Ouais. Vous connaissez les écaillés, là, hein? C'est ça qui rouvre les moules, les huîtres et tout ça dans bon chemin à Paris là-bas. Enfin, un petit peu dans les grands restaurants. C'est pas ça, un écaillé. D'accord. Oui. Et, là, on dit des écailles poissons. C'est qu'il y a écailles poissons, comment est belle. Un nettoyeur poisson. Bon, on est tablier là, fini là. Mais bon, bon. Bon, on lave rien. La prochaine fois, mais là, il repasse tout. À moi-même, il repasse. Mais bon, alors, Christelle est là. Christelle, au quoi? Christelle est arrivée. T'es là? Eh ben, c'est qui ça? C'est mon petit café. Bon, et nous mange alors, elle est bonne. Nous sommes mangés, tout est prêt. Tout est prêt alors. Nous devons pas manger. Pour voir un petit coup, que ça nous fait. Hein? Bah oui. C'est bon. Qu'est-ce que ça allez, bon, allez, allons manger, hein? Allez, allons. On mange pas beaucoup. Non, malheureusement. On mange poisson rouge alors. Ouais. D'abord, la piment sur dedans? Pas de viande. Piment de nain. Pas grave. C'est pas grave alors. Pas parce que je la mange dernièrement, la gueule piment ici. Mais bon, tu es content de voir ça ton corps, hein? Bonsoir. Ici, hein? Bien sûr. À ceux-ci, ils mangent pas la viande. Non, à nous ne mangeons pas la viande, à nous, nous les rasta. Rasta. Ah, non, la viande, on va pas la viande. Parce que là, ça mange en parce que c'est carré. Là, on connaît comme d'habitude les dos. Les dos. Les bons, là, ok. Les bons, ok. Allez, allons manger. Hein? Ah, ou la viande ou pas la viande? On mange pas la viande. Ah, aussi, non plus, pas la viande. Alors, lui, il est tout là. L'équipe, il mange pas la viande. Touche là. L'équipe, il mange pas la viande. Qu'est-ce que tout ça, la viande, nena là. Après, l'équipe, il mange pas la viande. Plan porté. Dans les bois, ok. Bon, le carré de poisson rouge, c'est bien. Et tout toi, il réchauffe pas un carré quand il met côté midi dessus. Hein. Ouais. Mais non, cochon, hein. Ça va? Cochon, ben. Non, bon. Hein. Bon appétit. Bon appétit. Et puis le petit gars, il est bon, hein. Bon. Ça, c'est son mangue. C'est son mangue. Enfin, comment ça, c'est son mangue, là? Voilà. Alors, vous appréciez? Oui, c'est super bon. C'est super bon? Ouais. Ah, pour faire plaisir à Toto ou bien seulement si. Non, non, il est vraiment bon. Ah, ouais. Le piment, il est juste comme il faut, ouais. Ah, ouais. Parce que vous connaissez Toto comment il est avec piment? D'accord. Quand il met, il poque vraiment. Ouais, bon. Ok, bon appétit. Merci. Ah, aussi. Bon, Christelle, tu es obligé de fermer toutes les marmites parce que ici, là, hein, avec les chats, les mouches, les. Enfin, nous, les dans la nature ici aussi. Hein. Bah oui, avec tous les invités, non invités. Les invités, donc, non invités. Voilà, donc du coup, on est obligé de couvrir tout. Ouais. Et donc voilà. Voilà, bon. Parce que sinon, les invités vont manger la nourriture que les chats ont déjà mangée. Voilà. Bon, allez, nous retrouvons la semaine prochaine parce que elle était un petit peu compliquée aujourd'hui, hein, ce soir. À vendredi. Hein? Vendredi. Ou mardi. À la prochaine fois. À la prochaine fois. Voilà, on se retrouve la prochaine fois sur Canal Austral. Allez, à bientôt. Bien.